Salut, salut, bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Nous sommes encore aujourd'hui pour vous présenter cette émission sur notre beau pays, la RDC. Comme d'habitude, avant de commencer, nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en République démocratique du Congo. Au sommaire, bientôt les soins et services de santé gratuits en République démocratique du Congo. Bandeko, Kalate, bas soins médicaux et kokoma gratuits naba Congolais nyonso. Donc, togo bimise soumbongo na bisote Bandeko, togo développe une émission. Et puis, na deuxième point, Bandeko, Ezali. La démission de Oli Ilunga, nommé le 16 décembre par Kabila, a démissionné de ses fonctions le lundi 20 juillet. Donc, ministre Oyo Kabila Tchakina Santé a démissionné Bandeko Togo développé à mon émission. Et puis Bandeko, troisième point, point d'absolu Togo Sugisa, le FCC a déposé les candidatures de son ticket, dont celle de Tambo Mwamba. FCC va déposer le ticket na Bango, donc Tambo Mwamba, à sa candidat na Bango officiel, a déposé candidature na yi. Et puis, la candidature de Bayati. Bayati a déposé sa candidature comme président du Sénat, à Lobandeko. Et ça n'a pas pour un pour développer une mission. Commençons avec le premier point, Bandeko. Président Félix a fait le travail moko ya ko sakana na ngote na RDC. Ma vision est que tout Congolais ait accès à tous les soins dont il a besoin sans encourir une ruine financière ou économique. Vision à président Zalipo. Congolais nyonso a dwa ba soins médicaux gratuits. Bandeko tango présent lobaka et belé batia katimbi. Alubaki makambu éducation ki kozala gratuit. Pe yango na septembre et kozala gratuit. Alors alubi ke ba soins médicaux et kokoma gratuit. Et puis alubi yango sans relâche Bandeko. Congolais a ko dépenser le susu penati na ba soins médicaux. Alors Bandeko. Avant de continuer mission à Bissou, Tolanda, son excellence, le président Félix Tshisekedi. Mesdames, messieurs, en ce moment où notre pays fait face à une urgence sanitaire internationale due à l'épidémie de la maladie à virus Ebola, je suis soulagé de nous voir réunis ici pour échanger sur les moyens de mieux protéger nos enfants par la vaccination, ainsi que sur l'éradication de la poliomyélite en République démocratique du Congo. Je remercie déjà tous ceux qui partagent cet enthousiasme avec nous et particulièrement nos partenaires qui se sont déplacés pour participer à ce forum. Distingués invités, notre pays, la République démocratique du Congo, a adhéré à l'agenda de 2030 fixé par le Conseil des Nations en rapport avec les objectifs de développement durable. L'un de ces objectifs, en l'occurrence le numéro 3, vise à permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Conscient que la santé est un des droits fondamentaux des Congolais, j'en ai fait l'un des principaux piliers de mon action à la tête de l'État. Ma vision est que tout Congolais ait accès à tous les soins et services de santé de base dont il a besoin, sans encourir une ruine financière ou économique. C'est dans ce contexte
j'ai nommé un conseiller spécial en charge de la couverture maladie universelle et l'ai chargé explicitement de proposer la marche à suivre pour la matérialisation de cette vision. Dans cette marche vers la couverture sanitaire universelle en RDC, j'ai instruit les services concernés d'avoir un intérêt particulier sur les services et les soins de santé au bénéfice du couple mère-enfant. En effet, la population congolaise est majoritairement jeune et le rapport de genre est en faveur des femmes. Offrir des soins et des services de santé de qualité et efficace à cette frange de notre population est un investissement pour l'avenir de la RDC et pour son développement futur. Distingués invités, en ce qui concerne l'enfant en particulier, je suis conscient du fait que, malgré les efforts soutenus du gouvernement et du peuple congolais et l'accompagnement de nos partenaires, notre pays enregistre encore aujourd'hui un taux de mortalité infantile parmi les plus élevés au monde. J'ai pris l'engagement d'inverser cet état de choses et j'y travaillerai sans relâche. Allo Bandeko, Tolandi président de la République. Le président de la République a ouvert le lundi 20 juillet le forum national sur la vaccination. Dans son mot d'ouverture, le chef de l'État congolais a réitéré sa volonté de garantir Bandeko Bolanda, de garantir les soins de santé de base à toute la couche de la population sans un coût financier. Bandeko, tant qu'on a du parole, Bandeko, Bolandi yebino nyoso. Donc, Congolais a du décision, on peut aller bien, Bolandi est bien, lobby sans relâche. Ce médicament que vous avez gratuit, Bandeko. Donc, Congolais a joué à la joie, mon corps, que ça canne en route. Président Félix a travaillé pour l'intérêt à la Congolais. Conscient que la santé est un des droits fondamentaux des Congolais, j'ai en effet l'un des principaux piliers de mon action à la tête de l'État. Ma vision est que tout Congolais ait accès à tous les soins et services de santé de base dont il a besoin sans encourir une ruine financière ou économique. Donc, exact vision à les Congolais à des soins médicaux gratuits que jamais un problème financier. Boyebi que Mikolo ou le kaki bande qu'on a besoin d'artistes et belles bakufa qui bolanda qui pour baser qui n'a besoin de soins médicaux et belles fois qui ne commande à Kabila foutre les soins médicaux et belles fois oh mon bandeko président Félix a eu la vision aïe yango tous au singa na congolais tous à la derrière notre président de la République parce que vision yoko soyango nulle part et surtout en Afrique tout comme le col en Europe bandeko. Tout comme le col en Europe avec présent Félix, yango bazo betele ma beaucoup partout. Bande koto landi. Donc, eza clair que vraiment, eza pone intérêt na bisou. Dans cette marche vers la couverture sanitaire universelle en RDC, j'ai instruit les services concernés d'avoir un intérêt particulier sur les services et les soins de santé au bénéfice du couple mère-enfant. Allô, Bandeko. Donc, président de la République, a bongisi makamunyon, c'est ce peuple congolais à Sepila. Soins et à la gratuité, a nommé conseiller spécial. Conseiller Wana Bandeko, mpe bako travailler ensemble avec Jean-Jacques Muyembe, yewana lobi ke bako travailler pour na ke makambo nyonso peuple congolais a joie santé na ye gratuit. Allo Bandeko.
yangoto le kana deuxième point ministre de santé a démissionné et puis tu peux expliquer bino yango bandeko peut tu développer yango a démissionné pour na nini pourquoi président Félix a dû relève wana zaki ministre ya Kabila allo tolanda information si démission na yi bon tu continuer mission na biso Kokolongono ya Congo démocratique docteur Oli Ilunga atiki mosala ayebisi na mokanda atindeli mokonzi ya mboka ete aboyi mumbulungano mobima kati na mosala na ye pe mokano moye président Félix Tshisekedi azwi omokolo ya mposo moleki ya kokambaye moko bitumba ya bokono ya Ebola na mokano moye président Félix Tshisekedi a tiene sika équipe ya ba expert Tomi Sala ya banganga ya boyebi miye mikambami na docteur Jean-Jacques Muyembe pour na kosilisa bokono ya Ebola il eye boye bobomi bato koleka 1700 na sanza pene zomi Félix Tshisekedi a Sengi Bongo na docteur Muyembe kosala mbongwana esengeli pour na kosilisa bokono boye Allo bande ko bolandi wana pona démission na yi yaza mécontent mécontent après que Félix Tshisekedi a repris les commandes de la riposte contre Ebola Oli Ilunga a démissionné dans sa lettre de démission le ministre a déploré le fait que ce secrétariat technique a été mis en place par un décret donc Tant que président de la République a taliqué, bandeko, yaza mécontent. Batunyo so Kabila tiaki président Félix a so monakimo ndenge vision na yezali. Nandenge bolandi ke ba soins zo koma gratuit. Donc président Félix a za na confiance ya bata Kabila te. Oli Ilunga batika ki wana banda décembre ti lelo Alors, président Félix Avitin, ma kambouye Ebola Oyo, il faut comment na souka, et puis ma initiative à Sika Eko. Alors, Yango a nommé docteur Jean-Jacques Muyembe, expert, na ma kambouana, a dirigé ma kambouana. Ba travaille na ba, a puis a nommé conseiller mon spécial pour na santé. Conseiller wana ya président, a ko travaille na docteur Jean-Jacques Muyembe, pour na été. Makambu oya be bola oyo ekozala ezala kali soutien na RDC. Yango na programme ya vaccination bolandi na discours na ye aza determine. Président Félix RDC bazui 98 millions de dollars. 98 millions de dollars américains, États-Unis a pesi 98 millions pour na Ebola. Et puis président Félix a limbo ngona ba sali la yango pour na santé kaka. Pour balingi makambo Ebola ezala le chute allo expert comme Jean-Jacques Muyembe docteur wana ba nomeye allo Oli Ilunga za d'accord et surtout que a monique bambongwe le kaki wana donc bata Kabila président de la République azana confiance na bangoti Oli Ilunga démissionné bandeko makambo ezebele o peut-être ngana to ebiti Alo président de la République a joué initiative wana alo bi yemoko azala wana a tie conseiller na yi ba travailler na docteur Jean-Jacques Muyembe na projet wana numéro 1 ezake vaccination et comment na ba congolais nyonso mwana nyonso wako il faut avoir vaccin vaccination est commis obligatoire na RDC Ezo banda programme yon se en place. Basi ba bandi kote a Kivu kuna deja vaccination pour Ebola. Et puis mbongo deja, basi ba jim mbongo. Président de la République a lobi ke mbongo wana ba utilise yango pour na santé ba Congolais. Batjo ba vaccin. C'est-à-dire makambo Ebola eza le soute na mboka na biso. Parce que vaccin e koki ko prévenir ba biloko wana nyon sa Ebola. Merci président de la République. Et puis quand yango, yango bo monike
ba soins médicaux ils ont comment gratuit na ba congolais et belé ba kosa na ba doute mais boko moné ko salama avec présent Félix c'est tout est possible parce que afungoli motema n'est pas ba congolais yango omone ke ekoko simbate na batio kabila tia, bata kabila Oli Lunga a démissionné à Monique Makambo. On dit que président Félix a ça très sérieux. Il y a un pour ça qui démissionne. Pour y aller, il y a un peu de poser démissionne. Il y a d'abord un peu de longueur. Il y a une vision du président de la République. Il y a un Kabila qui a été mis en place. Il y a un expert qui travaille. Il y a un président de la République qui travaille dans le conseiller. Ba conseiller na ba zako ide ano bandeko a vous de commenter na ndenge nini soins de santé et comme gratuit ano bandeko toujours le cas na au troisième point na biso ba dépôt ya candidature. Nous sommes sûrs que nos sénateurs vont nous suivre. Vous serez conviés le jour de l'ouverture de la campagne, toute la presse nationale et internationale, et je vais vous dévoiler notre stratégie et ce que nous attendons. Notre chance de gagner, c'est que nous avons la majorité absolue du Sénat. Pour l'opinion nationale, Alexis Thambwe Mwamba reste une bonne candidature, prestigieuse et d'expérience. Allo bandeko bolandi tambwe wana donc ba bazo mona kake ba ko gagner to baza 100% do bazo mona ba commentaire ba zo landa wana ke tambwe populaire tout ça donc za FC ça zo sala propagande nayi bandeko utala kaka soki tambwe abimi tala premier vice président ne ko za la boshabo bozo mona na sa tambwe wana photo wana boshab premier vice président. Mais toujours qu'il n'y a pas. Donc, Bosha, premier vice-président du Sénat, a le droit de détruire la RDC. Donc, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Pour ce temps, il y a un peu de temps, il y a premier vice-président. Alors, bon, tu as évité de changer parce que le ticket n'a pas été fait, il y a un enregistrement n'a pas été fait, dépôt de candidature. Donc, ba parti monsieur peut poser ma candidature na ba poste wana ya ba deuxième vice président pe donc to yebite ndene ko leka me ko za la mawa komona ete Thambwe Mwamba abima président ya Sénat et sa poste moins important pour na RDC mutu aza vraiment so bolandi na émission na na so bo mona marche ba yati ba ti ba pano anyo sa FCC bato nyo sa mabe ba koko leka te. Donc alors les amawa, ce qui a l'équipe, d'être dans l'émission parce que ça, poste on est à poste clé pour la pays n'abissou, ce qui a l'équipe Bosha Bakozala, premier vice président, donc les amawa bandiko. Alors commentez les sur la minute, à vous de commenter pour la ndenge boyo ki tambo. Allô bandiko, to komi sikoyo pour Bayati. Le peuple attend Bayati pour la dépôt candidature naïe. Donc Bayati a posé candidature naïe sikoyo. Toyoka message à Bayati et pas congolais parce que Bayati aza clair le président du regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et allié Modeste Bayati dit avoir totalement confiance aux sénateurs qui, selon lui, voteront en âme et conscience pour apporter le changement. Allo Bandeko, Tolanda Bayati, bon de continuer mission la bisou. Bakambi to sali mabe mingi na peuple na biso tozo amokano ya koloba ete totika makambo ya mabe nyonso oyo esale maki oyo to sala. Désormais, tous à la service ya population ngai naza mutu ya mbongwana ya naza mutu oyo aza koluka mboka na biso ekende liboso otokoma na emergence oyo biso nyonso toza kotala musika landa ba intimidation te bakota makambo ya ba intrigue te o ba stylo electronique ba biloko ebele ebele ba motion ya pamba pamba balanda ngo te
Bapo na kaka oyo baebi ke akosale la population na biso. Moto yana ezalinde professeur Bahati Lukwepo. Alo bande kubo landi Bahati. Alo baza na confiance bako. Abito salibere mingi. Aza honnête na le passé. To salibere mingi. Peuple a koki ko souffrir te pour le moment. Il faut tous en besoin un changement. Bala na be intimidation wana te bolandi Bahati aza clair azo banga kabila te azo banga mutute. Alo Bahati alo bike aza na confiance yaba sénateur ou bako voté. Et puis yé mouta kozala nommé. Alo bandeko. A vous de commenter bandeko. Parce que Bahati aza na soutien ou saka anangoti. Alo kana point Bahati. To landa li susu. Nde nini bazo sala propagande pour na Bahati bon to continuer mission na biso. Allo bandeko, résumé, pour clôturer mission, bon, na début, tu peux faire premier point, président de la République, ba soignons ce que comme gratuit. Allo bientôt dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, les soins et services de santé gratuits à tous les Congolais, bientôt. Et belé ba ça toujours na doute, à vous de commenter na point wana. Et puis, dans le deuxième point, Oli Lungaza a démissionné. Président Félix Azana a confiance à Batouana et à Kabila Tchaki. Et de ça, 98 millions de dollars bah, américains bah, pour don pour na Ebola et pour la bah, santé. Na biso. Et puis, bientôt, bah, vaccin kozala pour na ko prévenir bah, Ebola. Na nyoso. A vous de commenter bah, niko, pour la point. Wana. Et puis bandeko toujours ka pona ko clôturer bolandi tamboué bolandi Bahati botali propagande ya Bahati ndingeza ya kuyinda na ba province alors bandeko esa som do Bahati toujours souhaiter kabima à vous de commenter na ba poignons so bandeko to discuter le lot. Au revoir, à la prochaine.